y a le système de communication qui a détecté un pic d'énergie. Il y a un problème sur le réseau. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, tu vas récupérer Lucas et nous le ramener pour qu'on puisse élaborer un plan contre Torse. Autrefois, nous étions alliés face à un ennemi commun, dans un long conflit que nous avons appelé la Grande Guerre. Rorschach, ça va? Rorschach, bonne journée. Oui, je sais bien qu'il faut que je dois se planquer, mais quand même, la petite force est un peu abusée. Il y a un autre Abios, Dorse, qui va venir sur Terre dans le but de tuer Rorschach. Sauf que, pour arriver à ses fins, il est capable de massacrer votre peuple. Toi, d'ici 100 mois, on va crever tous les deux. Dis pas ça. On va s'en sortir. Ils arrivent. Dégage d'ici. Viens. Non! Laisse-moi ici. J'ai une solution pour les retenir. Lucas, ça va? Très bien, et toi? T'as pas l'air comme d'habitude. Je me sens bien. Écoute, c'est Anna qui m'envoie. Apparemment, il y a quelqu'un... Il y a Dorse qui veut attaquer la Terre et... Apparemment, t'as des pouvoirs. Ce qui paraît, oui. J'ai l'impression que t'es plus tout à fait le même. Je suis toujours moi. C'est juste que maintenant, je me rappelle de qui je suis. Et qu'est-ce que je suis pour toi, maintenant? Maintenant, il va falloir aller contrer les plans de Dorse. Qui, toi? Le banc est assez grand pour nous deux. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Je suis Dorse, le futur dirigeant d'Abios. Je vais être très clair avec toi. Pour le bien de ton peuple et de ma planète, tu dois mourir. Rien que ça. Et en quel honneur? Tu te souviens, ton ami Rorschach? Si on peut appeler ça mon ami, oui. Il a créé une armée de clones grâce à ton sang. Les scientifiques de ma planète ont découvert qu'il y avait une relation entre toi et tous les autres.
tes semblables. Et donc ? Et donc, tu dois mourir, si je veux tous les tuer. Et si j'ai pas envie ? Je ne te laisse pas le choix. Ton sacrifice n'aura pas été vain. Profites-en bien, t'as pas fini d'entendre parler de nous. Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Je suis un Borgard. Ok. Et alors ? Ça veut dire que je suis censé capable de traverser les dimensions. Ah ouais ? C'est ce qu'on va faire maintenant ? Non. J'ai contacté Anna et Anto. Ils sont en train de s'occuper de Dors. Il faut qu'on désactive le rayon. Oh, ça a l'air loin. Comment on va s'y rendre ? Prends ma main. Où es-tu, Dors ? Sur terre ? Je te tiens. Anto ? Anto ! Je n'arrive pas à le croire, t'es vivant. Oui, Lucas m'a libéré de la dimension des morts. Et je t'ai rejoint dès que j'ai pu. Anna, j'ai dû accomplir un acte terrible pour revenir. Anto, je t'en prie, gâche pas ce moment. Je me doute bien que pour revenir du monde des morts, t'as dû payer le prix fort. Et tout ce qui compte pour moi, c'est qu'actuellement nous soyons réunis. Je dois arrêter Dors pour honorer ce sacrifice, l'arrêter coûte que coûte. C'est de quoi il est capable pour arriver à ses fins. Lucas et Emily sont en train de détruire son rayon. J'espère que Lucas et Emily s'en sortiront. Justement, je me suis connectée à travers l'arbre tout à l'heure. Et je vais retrouver... Je sais où est Dors. Allons-y.
Et maintenant, comment est-ce que tu comptes le désactiver? On va le faire exploser. T'as pris des explosifs ou quelque chose comme ça? Oui. Par contre, il faudra s'y prendre en partant de la source. À la source? Oui. Tu vois le rayon? C'est ce qui est tout au-dessus. C'est ce qu'il fait qu'il tire son énergie de là-bas. Et donc, il faut faire exploser cet endroit. D'accord. Et comment est-ce que tu comptes monter là-haut? En entrant dans le rayon. Ok, ok. Et comment est-ce que tu vas redescendre après? Émilie, je ne descendrai pas. Quoi? Comment ça, tu redescendras pas? Mais t'as pensé à moi? À tout ce qu'on a traversé ensemble? T'es en train de me dire quoi là? Tu vas te sacrifier dans le rayon? Je te connais, Lucas. Tu savais depuis le début que tu reviendrais pas de ce rayon. Pourquoi tu m'as emmené avec toi? Parce que tu es bien plus courageuse que moi. J'ai fui lâchement les soucis qu'on avait eu avec nos parents en me réfugiant dans la drogue. Toi, t'as su rester forte et courageuse. Dis pas ça, je suis pas si courageuse que ça, tu sais. Si, t'es courageuse. Tu l'es bien plus que moi. C'est pour ça que j'ai besoin de toi pour faire ça. Mais... pour me sacrifier. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est justement pour ça que je le fais. Lucas! C'est pour toi que je fais ça. Pour avoir la satisfaction que ce que je fais, ça permettra de te sauver la vie. Adieu, Émilie. Tu es Noah, l'agent des mondes? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais reprendre ce que je t'ai donné et te ramener chez toi. Je crois que c'est par là. Serait-ce un fantôme que je vois là? Dors. Bienvenue chez les vivants, Anto. Tu as bien changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu sur Abios. Que veux-tu? La nourriture sur Terre est si exécrable. Par conséquent, mon séjour ici m'a quelque peu amassi. Et tu compenses ce manque par ton désir avide de pouvoir? Ben voyons. Du moment qu'on a des projets un peu plus ambitieux que la normale, on se fait traiter de tyran. De toute façon, cette planète ne m'intéresse pas. Ton plan pour détruire la Terre a échoué. C'est exact, mais ma mission, confiée par Kharkov, elle, a réussi. Comment ça? Rorschach est mort, lentement empoisonné par un humain. Je peine à te croire. C'est la vérité, pourtant. Sinon, je ne partirais pas aussi sereinement. Il n'a pas survécu. Il n'a pas eu cette seconde chance. Comme le siècle passé sur Borgaras. Moment romanesque, presque émouvant, lorsqu'il t'a assuré de le laisser pour te sauver la vie. Et puis Sponce est venu le chercher, juste avant l'explosion. Ce n'est pas possible.
L'armée de clones est détruite. Rorschach est mort, et une alliance est toujours possible avec les humains. Ma mission a brillamment réussi. C'est dire que mon père va te récompenser. En effet, c'est ce que j'attends. Je continuerai à servir Abios, mais pas éternellement sous le joug de ton père. Petit séjour sur Terre t'a fait oublier que les Abios ne peuvent pas s'entretuer ? Un jour viendra où tu ne seras plus en état de nuire, Dors. Je trouverai ce moyen. Nous verrons bien. Sur ce, je passerai le bonjour à ton cher père de ta part. Comment peux-tu, Anto, t'attaquer au nôtre ? Tu sais très bien qu'on peut pas laisser pour des différents, nous... J'arrête. Bonjour, nous pouvons partir? Allons-y! Bien, j'ai des affaires qui m'attendent. Oui, allô, Cédric? Oui. J'ai les documents. J'ai récupéré le journal de bord du messager. Oui, la pilule a fonctionné sur Rorschach. Le général Spons, il sera très convaincu.